tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'ouverture l'ouverture des box de Sabine, la box broderie et la box aimant à aiguille à la fifi. Alors la box aimant à aiguille, ça va être sur le thème d'Halloween. Et la box broderie, ce sera sur le thème de l'automne. Alors, on va commencer par les aimants aiguilles. Oh, on a une jolie sorcière. Alors. Voilà. Hop, voilà. Je fais du bruit, hein. Alors, oh, ça fait peur. Alors, d'abord, comme d'habitude, on a la petite carte de Sabine avec un petit sticker tout rigolo et un thé. Alors, c'est à quoi aujourd'hui? Allez. Alors c'est relax, un moment de relax, et c'est rose, hip et glantier. Voilà. Donc ça, c'est les petits cadeaux. Ensuite, alors, on a toujours le petit papier de remerciement et qui vous dit que s'il y a un problème, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec Sabine. Oh, pourtant, j'aime pas Halloween. Oh, oh là là, trop, trop, trop beau. Alors, le premier, alors je vais les enlever des sachets. Que sinon ça va briller à l'écran. Bon, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Bon, le sachet, on peut l'arracher. De toute façon, ça, je le garde pas. Voilà le premier. Un petit chat noir en sorcier. Oh, qu'il est beau. Il est trop, trop beau. Et le deuxième. Hop. Oh, trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté, comment elle est belle. Elle est trop, trop belle. Oh, elle est superbe. Merci, merci, merci. Encore des merveilles. Alors, la box broderie. Alors, il y a dedans une fiche broderie, les fils nécessaires pour broder le modèle, 12 échevettes, un lot de perles à broder pour le modèle, un aimant et aiguille assorti au modèle, un coupon de toile à broder pailleté irisé de la marque Zegart et un accessoire de broderie création poussière d'étoile. Alors, j'ai juste ouvert là pour aller plus vite. Ouais, pour aller plus vite. Mais je pointe. Voilà, ça y est. Et oui, le petit sticker. Alors, ça, c'est le papier avec ce que je viens de vous dire. Hein, c'est le contenu de la box.
excusez-moi, je baille. Très important, il est préférable de ne pas laver les toiles et les fils teintés quand il y en a. Mais si toutefois vous prenez le risque, pensez à utiliser une lingette décolore stop et de préférence à froid. Mais attention, si votre toile perd de la couleur ou que votre fil teinté déteint sur votre toile, je ne pourrai être tenu responsable. Voilà, c'est tout à fait normal. De toute façon, tout ce qui est teinté à la main, ça ne se lave pas. Hein. On essaye de faire attention. Alors, je vais tout sortir. On a une petite pochette plastique. Oh là 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 là. Bon, d'abord les petits plus. La petite carte, comme d'habitude. Le petit stickers et le petit sachet de thé. Voilà, et le petit papier de remerciement. Alors, l'accessoire pour broder. Regardez-moi ça. C'est-il pas beau tout ça? Avec de la cannelle. Ça doit être un petit chocolat chaud, ça, au moins. Ça donne envie. Trop, trop beau. Alors, on va avoir des petites perles, comme ceci. Ça, je vous le montre après. Et on va avoir 12 couleurs. Donc, voilà. La première. Alors, j'espère que ça va... Non, oh, bon, alors là, c'est même pas la peine. Non, c'est pas la peine. Oh. Bisous. Bisous. Alors, voilà, ah, ben là, ça va. Voilà. Un gris bleu. Un noir, alors là c'est un marron glacé, un marron rouille, un bleu ciel, un vert plus foncé, un orange, un marron glacé mais un peu plus foncé, un blanc, un marron et alors c'est entre le marron et l'orange celui-là. Et on a bien sûr, alors moi c'est de l'étamine. Comme d'habitude, on a une jolie toile. Voilà, alors je vais la plier pour vous montrer. Voilà. Alors, voilà, oui, là vous voyez. Elle est irisée. J'aime beaucoup ces toiles-là irisées. Très, très belle. Et tout ceci pour broder celle-là, la maison de l'automne. Elle est trop, trop, trop belle. Avec ces petits parapluies, le petit écureuil, les petites feuilles mortes qui s'envolent, les petits oiseaux. Ici, on a des petits moutons, une citrouille. Ici, on a notre citrouille avec un hérisson. Trop, trop belle.
Alors, niveau impression, je vous montre pas toute la grille, hein, mais niveau impression, vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est très très clair. Alors, les grilles sont compatibles avec Pattern Keeper, hein, donc vous pouvez le demander en PDF à Sabine, elle vous l'enverra gratuitement par email. Et comme ça, si vous avez Pattern Keeper, vous pouvez le mettre dedans. Alors, ici, on a combien de pages de grilles? 4. Enfin, 2 grandes et 2 où il y a une petite partie dans le haut. Alors, c'est du Autumn House, donc la maison de l'automne, et c'est 100 points sur 100 points. Voilà, donc une petite broderie toute sympa. Et avec, bien sûr, on a l'aimant à aiguille pour broder notre petite broderie. Voilà. Trop, trop chouette. Alors, on a eu dans ces box, je vous remontre, donc, la grille de la maison de l'automne avec sa toile irisée. C'est 12 échevettes de couleurs, voilà. Les petites perles. L'aimant à aiguille, bien sûr. On a eu le trifil, voilà. Avec une boisson chaude, la cannelle, tout. On a eu le petit cadeau, voilà, le petit thé, le petit stickers. Et tout ça est mis dans une pochette plastique comme ceci, que je vais tout ranger après. Et pour la box à aimant, on a eu un joli petit chat noir, voilà. Et une magnifique sorcière, voilà. Bah écoute, Sabine, tu nous as encore fait des merveilles. On a toujours hâte de recevoir tes box. Et je sais qu'elles ont beaucoup, beaucoup de succès. Voilà. Alors, les prochaines box broderie, aimant à aiguille et box papeterie, ce sera, comme toujours, comme d'habitude, le dernier jour du mois. Alors, ce mois-ci, on a quoi? 31 jours. Donc, ce sera le 31 octobre à 17h sur la boutique à Savine. Je vous remets tous les liens utiles et nécessaires en barre d'infos, plus un code promo que vous pouvez utiliser quand vous voulez, autant de fois que vous le souhaitez. Ça vous donne 10% sur votre commande et c'est le mot Didite en majuscule. D-I-D-I-D-T-E. Voilà. Mais je vous remets tout en barre d'infos. Ensuite, il y aura aussi, donc c'est le 15, si je me suis trompée, je remarquerai sur l'écran la date, mais le 15 octobre, il y a la box surprise à aimant, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller, vous ne pourrez pas la découvrir puisqu'elle est surprise, mais n'hésitez pas à aller l'acheter, vous aurez encore des jolies merveilles dedans. Je crois que je vous ai dit toute l'actualité de ce mois. Oui, le 15 aussi, nous, on commence, ceux qui se sont inscrits aux salles de Sabine, eh bien, on commence le sal, voilà. On va commencer, on va poser nos premières croix. Donc, c'est un sal mystère. Le thème, c'est animal aquarelle. Voilà, mais on ne sait pas ce que c'est comme animal, on ne sait rien du tout. Et on aura les grilles au fur et à mesure sur un groupe qui est consacré au sal. Donc là, malheureusement, vous ne pouvez plus vous inscrire. Hein. Les inscriptions ont été closes depuis déjà 15 jours, 3 semaines, peut-être plus, je ne sais plus.
Donc, malheureusement, ben, vous ne pourrez pas. Mais quand j'aurai fait. Quand moi j'aurai brodé, que j'aurai terminé la partie, je mettrai sur. Normalement, Sabine, je pense qu'elle l'autorisera, mais je mettrai mes photos d'avancée sur mon Insta, comme d'habitude. Voilà. Et je vous montrerai également sur mon YouTube. Allez, Fifi et moi, on va vous dire bonne nuit, parce que là, il est le soir. Hein, elle est fatiguée, ma Fifi, non? Et moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous. Bisous, bisous, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. À bientôt, bisous, bisous.